الحمد لله والصلاة على رسول الله إخواني وأحبائي في الله تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أهمية الأسرة وعن القواعد الأساسية للاحتفاظ بهذه الأسرة فالآن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن صلة الأرحام شيخ فخ شيخ سير on avait parlé sur les deux premiers dars sur l'importance de la famille et aussi les bases fondamentaux qu'il faut conserver pour que la famille soit dans de bonnes conditions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Maintenant, on va essayer de parler du lien familial. Silatu al-arham. Silatu al-arham, ayyuha al-ahibbatu al-kiram, hiya min a'zami ma amara bihi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, min a'zami ma amara bihi Allah, tabaraka wa ta'ala, fi al-Qur'an al-Karim. الله عز وجل يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قطعة الأرحام للأسف الشديد في هذا الزمان كثيرة جدا رغم أن الله تبارك وتعالى أتاح لنا كثير من الوسائل لنصل أرحامنا من التنقلات ومن الهواتف ومن كثير من الأمور التي الآن الله تبارك وتعالى جعلها في خدمتنا لنصل الأرحام ورغم ذلك نرى أن بعض الناس يكتفون بمرة أو مرتين في العام وكذا فهذا من الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم donc les liens familiaux c'est quelque chose qui est très très important dans l'islam très important في القرآن Il nous a parlé de ça dans Sourate Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il a parlé de Silat al-Arham. Il a dit, « L'insan yassir l'arhimahou, mahma kanat al-dourouf, mahma kanat al-ahwal. » Il faut essayer de nouer, ou de nous renouer, ou de renforcer les liens familiaux. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Ce n'est pas parce que je n'ai pas à donner ou je n'ai pas pour... Non, maintenant, on a, alhamdoulilah, beaucoup, beaucoup de moyens pour renouer, pour renforcer les liens familiaux. Et quand on renforce les liens familiaux, subhanallah al-azim, ça fait une solidarité, ça fait un amour, ça fait quelque chose, subhanallah al-azim, qui rassemble les cœurs, qui rassemble les cœurs avant les corps. Subhanallah, parce que des fois, on trouve que les corps, ils sont là, mais les cœurs, ils sont disparus. Les cœurs, ils sont loin d'être rassemblés. Alesh, pourquoi tout ça? Parce que les gens, maintenant, ils sont devenus matérialistes. On cherche beaucoup d'argent, on cherche à trouver de l'argent de n'importe comment. « وَهَذَا يَعْنِ فِيهِ شَيْءٍ مِنْ مَحْذَرَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فالأقارب ou les proches de la famille, il ne faut pas dire « ça y est, moi je n'ai pas besoin ». Toi peut-être tu n'en as pas besoin. Peut-être tu n'en as pas besoin, matériellement. Mais tu en as besoin moralement. Tu en as besoin parce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a dit de faire ça, de nouer, de renouer, de renforcer les liens familiaux. Peut-être toi tu n'en as pas besoin. Peut-être eux, ils en ont besoin de ça. Hein? Si tu es loin de la famille et tu ne cherches pas à prendre des nouvelles de la famille, hein, ça veut dire que tu cherches à te mettre en retrait, tu cherches à être loin. Moi, en quelque sorte, tu dis, moi je m'en fous de la famille. Non, et la famille, ce n'est pas seulement les enfants, la femme, les parents. Non, la famille, subhanallah, quand on regarde la famille, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Si on trouve, subhanallah, la famille, c'est toute tous les musulmans, c'est ta famille. Mais encore plus, c'est toute l'humanité, c'est ta famille. Hein? Le bon comportement avec la famille, c'est recommandé. C'est recommandé avec tout le monde. Tout le monde. C'est pas parce que moi, je suis musulman que je ignore les autres. Non. Moi, je suis musulman, encore, il faut que je fasse plus d'efforts pour renouer, pour renforcer les liens familiaux, hein, qu'ils soient avec les proches c'est encore beaucoup plus, mais encore avec toute l'humanité,
que ce soit les voisins, que ce soit les proches, que ce soit les gens de la ville, que ce soit les gens de la rue, tout le monde, parce que nous sommes des humanités, nous sommes des frères. Notre père aussi, Adam alayhi salam, notre mère tous, Eva alayhi salam, nous sommes tous du même père, nous sommes tous du même mère. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullukum min Adam, wa Adamu min Turab alayhi salam. Fa kulluna nantami ila hadhihi al-a'ila ou l'usra al-bashariya, allati hiya banu Adam. Fala budda min tashihi hadha al-mafahim, hatta yakuna al-hubbu da'iman. » شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كيف وسعنا الدائرة أنت حتى في الجار. يقول عليه الصلاة والسلام الجار هو يعني فيه الجار اللي يسألك حق واحد والجار اللي يسألك جوج تاع الحقوق والجار اللي يسألك ثلاثة تاع الحقوق. regarde يقول النبي صلى الله عليه وسلم élargit bien les droits ou les devoirs envers les voisins. Et les voisins, ça fait des proches. Ça fait, c'est comme de la famille. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des voisins, c'est qu'il a parlé beaucoup plus de la famille. Donc, quand alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y en a un voisin qui... Il y en a les droits des voisins, il y en a en trois catégories. Il y en a des voisins que tu leur dois une droit. Il y a d'autres que tu leur dois ou des devoirs plutôt, deux devoirs, et il y en a que tu leur dois trois devoirs. Alors, un voisin proche, musulman, tu lui dois trois devoirs. Tu lui dois trois devoirs. Il en a trois droits sur toi. C'est quoi? C'est le voisinage, le droit du voisinage, le droit de la famille et le droit du musulman. Un musulman voisin, mais pas de la famille. Alors, il y en a deux devoirs. Le droit de voisinage et le droit de l'islam. Et un voisin qui n'est pas musulman, tu le dois quand même un devoir que c'est le devoir de voisinage. Ou hakada, indama nuridu an natakallama an silat al-arham, fa silat al-arham lil aqarib, yani al-ab, wal-um, والأعمام والأخوال ها يعني الأولاد والزوجة وكذا هذا يعني لا يمكنك أن تتخلى عنهم بأي وجه كان tu peux pas laisser les devoirs ou le bon comportement de la famille pour les parents les oncles des deux côtés les oncles parentaux les oncles de la mère les enfants la femme. Tout ça, c'est de la famille proche. Tu dois y aller les voir. Tu dois dépenser pour eux s'il faut. Tu dois les aider s'il faut. Tu dois être là pour eux tout le temps, bien sûr avec les moyens que tu peux posséder, que tu peux avoir. Mais il y a la famille lointaine. La famille lointaine, oui, aussi, ils en ont des droits. La famille lointaine aussi, elle a des droits. Tu as des devoirs envers eux. Tu vas leur demander leurs nouvelles, comment ils vont, s'ils sont malades, il faut y aller les voir, s'ils sont dans le besoin, il faut y aller les aider, il faut... Tout ça, il faut, pour renforcer, pour renouer les liens familiaux, il faut être là, il ne faut pas dire, moi je suis seul, je n'ai pas besoin des autres, je m'en fous des autres. Non, ça, c'est vraiment, franchement, c'est un mauvais comportement. Tu es un musulman, alhamdoulilah, il faut que tu regardes tout le monde et tu peux les aider avec les moyens que tu peux faire. On ne te demande pas plus que tu peux faire. Al-an, alhamdulillah, al-umur mutaha, fi thalath aw arba'at ayyam, yani tkhod al-hatif nta'ak, ta telephone, tkhod yani ta'raf al-ahwal nta al-ashkhas li huma yani nta tahbhom w yahbouk w ta'rafhom kada. حتى الأساتذة اللي قراوك وحتى الناس اللي وقفوا معاك وحتى الناس اللي يعني داروا معاك يمكن سفر ولا كذا ومعاملات لابد هذا الناس عندهم حقوق كذلك فمن هذه الأشياء إن شاء الله وهذه المنطلقات لابد أن تكون في قلب كل واحد منا فبهذا إن شاء الله نحفظ هذه صلة الأرحام التي أوصى بها
النبي صلى الله عليه وسلم والتي تكلم عنها ربنا سبحانه عز وجل. Si on fait bien sûr des efforts envers les gens, surtout envers les proches, inshallah, on vient bien conserver ce qu'on peut conserver pour avoir une vie, inshallah, tranquille, on veut avoir une vie pleine d'amour et pleine d'affection entre nous et tous les gens, surtout les proches. إن شاء الله تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى ينفقنا وإياكم لما يحب وارضاه ويجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.